Et nous sommes repartis. Faut qu'on récupère de l'eau. Ah, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On commence à avoir une... Ah, mon dieu. Arrête de parler. Vraiment, on n'a que 6 allumettes. Faut que je récupère un sac d'allumettes après. Un sac? Oui, ah, ouais, ouais. Et, non, un sac d'allumettes, ça se dit. Ça se dit parce que je viens de le dire, donc ça se dit. On a récupéré énormément de choses. On a eu notre deuxième ours avec une flèche parce qu'on est... Est-ce qu'on est aussi bon que ça? Pourquoi je récupère ce qu'il y a en dessous de la peau? Je veux récupérer la peau, moi. Ok, d'accord. Voilà. On va la mettre là. Voilà, comme ça. On a récupéré notre deuxième fourrure d'ours. On a plein de boyaux. C'est dégueulasse. Honnêtement, c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Ça, il faut qu'on les mette là-haut. On a ça, ça, ça. On n'a pas assez de place. On a juste pas assez de place en fait. Voilà, peau de cerf, loup séché. Il faut du loup. Il faut vraiment du loup. Du loup et du cerf, donc on sait maintenant où ils sont. Ah, vous avez vu aussi, on a récupéré énormément de vie. On a récupéré vraiment énormément de vie. Donc ça valait vraiment le coup de prendre le thé. Ok, alors qu'est-ce que j'ai encore sur moi? On va peut-être faire une autre flèche. On va retourner... Alors qu'est-ce qu'on va faire? On peut retourner à notre emplacement, récupérer les steaks. Parce qu'à chaque fois que vous savez qu'on fait cuire quelque chose et qu'on récupère un steak, ça augmente notre niveau. Donc la cuisine, elle est à 3, presque 3,5. Tir à l'arc, on est presque à 2,5, c'est bien. On va aller récupérer ça. Est-ce que ça vaut le coup d'aller... de récupérer plus de viande d'ours? Je sais pas vraiment. Parce qu'en fait, au final, on va passer à un moment où on en a tellement que ça sert un peu à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, le bois, il faut le mettre là-haut. On a combien de charbon? 5 charbon. On va arriver à un moment où on a tellement de viande en fait partout, c'est que ça sert strictement à rien d'avoir. On va jamais épuiser les stocks, vous voyez ce que je veux dire. Bon après c'est du, enfin surtout pour la viande d'ours et la viande de loup, de carnivore quoi, parce que bon, on peut pas vraiment la manger tout le temps. Donc du coup ça sert à rien d'en avoir un stock incroyable quoi. Par contre, le cerf, oui, ça vaut le coup d'aller en chasser un peu plus. Allez, on va voir si on peut pas faire une flèche. Ah, il fait bientôt nuit. Merde. J'avais pas fait gaffe. Non, on va sortir là. J'avais pas fait gaffe. C'est vrai qu'on a dormi toute la journée à cause du fait qu'on avait, on était bas en vie. Oh, il fait joli en plus. Ah bah du coup, on va retourner à notre emplacement. On va voir combien de kilos on peut récupérer. On avait eu un cerf la dernière fois qui se baladait chez nous. Mais sinon, on a trouvé un emplacement. Okay. On a vraiment trouvé un très bon emplacement. Hein. C'est ici. Ici, il y a des cerfs. C'est vrai qu'il y avait une carcasse de cerf aussi. Il y avait un cadavre à côté, là, je crois. Il y a des massettes. Il y a des lapins. Il y a plein de trucs à récolter. Donc, il faudrait vraiment qu'on y aille. Et qu'on reste un petit moment, quoi. Ah, il est là, le cerf. Non, c'est un loup. Ah, merde, c'est un loup, ça. Chier. J'ai envie de tester un truc. Vous vous rappelez le combo que je voulais faire? Ah ouais. Est-ce qu'il va me lâcher? Pas. Ah. Si, ça y est. Il est sur le cerf. Ouais, mais ce con, il trottine comme un débile. Au lieu de le chasser.
Ok. Je pensais qu'il allait lui foncer dessus direct. Bon, au final, non. Mais bon. Merde. On a encore une flèche cassée. On a un problème, c'est les flèches. Enfin, un problème. C'est pas les flèches, c'est les... C'est les plumes. Damn it. So hungry. C'est les plumes. Ouais, vu qu'il fait pas froid, on va essayer de récupérer sa peau. Celui-là qu'on vient de lui tirer dessus. Et l'autre aussi qu'on avait vu au loin. On va pas aller récupérer la viande d'ours. On va pas aller... Bah, il est juste là, notre ours. Merde, j'ai... Quel con, j'ai pas fait... Ah oui, par là. Okay. On va prendre ça, voilà. Hop. On va continuer à poursuivre notre loup. Et après on ira sur l'autre carcasse de loup. Il est allé où ce con? Il est plus résistant que l'ours quoi. Enfin l'ours. Oui, l'ours, on lui a mis une flèche dans la tête. C'est ça le truc. C'est qu'on a fait un coup critique en fait. C'est pour ça qu'il est mort extrêmement vite et d'une seule flèche. Bon, par contre, je voudrais pas trop me perdre parce que je crois que la carcasse elle est là-bas. Là-bas. Et elle est où ce con? On va se péter une jambe pour changer. J'ai peur en fait le temps, j'ai peur que le temps change. Merde. Merde, il n'y a plus les traces de ça. Ah si. Quoi? Mon Dieu. Où est-ce qu'on va? Et voilà. Là. Oh le truc, il a cavalé quoi, mais... Ah, ça y est. On retrouve les pas. Attends, on est dans le bon sens. Oui, on est dans le bon sens. On va monter là. Où est-ce qu'on... Ok, je suis... un tout petit peu perdu. Je suis un tout petit peu perdu. Je
crois que là-bas c'est la cabane du trappeur et côté droit c'est... Bah, enfin on retourne vers chez nous quoi. Et en théorie on devrait retourner vers... vers la carcasse du loup. Oh, il est là. C'est bon, bah il est mort. Est-ce que c'est bien lui? On va voir s'il est gelé, c'est pas lui. Non, oui, c'est lui, c'est bon. Et il y a du sang encore derrière. Ouais, c'est lui. Parfait. Courir 30 minutes parce que c'est pas gelé. Okay. Ça suffit. On va peut-être dessiner. Voilà, pour dessiner l'emplacement, juste au cas où. Pour récupérer le reste. Comme j'ai dit, le reste, on n'a pas vraiment besoin. Là, il y a les serres, il fait pas encore trop froid. Je récupère du bois pour faire du feu si jamais on a besoin. J'ai pas pris les allumettes. J'ai pas pris les allumettes. Je viens d'y penser maintenant. Et tant son nom, on peut lui donner notre nom, non? Okay. Là on avait fouillé. Plume, plume. Ok, là on a de la chance pour la plume. Loup devant. Si jamais je fais ça, la tribu va nous foncer dessus. Alors on va attendre qu'ils viennent vers nous. Allez, c'est reparti. Mets la flèche dessus. Ah, il va loin ce coup. J'aurais bien voulu le one shot, le tuer direct, parce que comme ça on aurait pu faire une pierre de coup, j'aurais fait un feu sur le lac, on aurait récupéré la peau du cerf, la carcasse gelée. Y'a des corbeaux là? Faut qu'on... Il y a toujours la carcasse aussi du loup, j'arrête pas de te dire, qu'on a toujours pas récupéré. On commence à faire froid, très bien. Ok, on va devoir bouger le cul. Si j'ai pas envie de perdre une autre flèche. Enfin une autre, on en a pas perdu mais... Oh, so cold. Ouais, moi je dis qu'il faudrait une habilité pour voir les traces de sang plus facilement, en fait. Plus clairement. Si on peut pas prendre la peau, je veux au moins... Enfin, la fourrure. Je veux au moins pouvoir le tuer et récupérer la flèche. Prêt, on va encore se péter une jambe. Je vois rien. C'est méga sombre.
Où est-ce qu'on est? Oh, il nous a fait aller de l'autre côté. C'est lui? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Oh non. Ah. On peut aller se reposer. Je crois qu'il y a les mobile home là-bas. Mais je pense que s'il fait pas trop de vent, on va faire du feu. Par contre, j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de bois. Là-bas. Faut faire attention où on va aussi. C'est bien parce qu'on a récupéré de la vie, on va la perdre parce que on est en train de courser ce con là. Il n'y a pas des endroits pour se reposer ici? Non. Non, les mobilhommes ils sont de l'autre côté. Oh, tu vas où là? Là à droite, c'est le barrage. Alors pas du tout. Où est-ce qu'on est? J'ai perdu les traces. C'est là. Lapin. T'es sérieux le lapin là? Merde. Choix. Ça fait où en haut? C'est en haut? Ah oui. Je crois qu'il est mort. Je vois plus rien. Oula, qu'est-ce que c'est relou. Putain, ça va m'énerver ça. J'ai perdu encore une flèche quoi. Non mais là il peut pas monter. Ah oh, la vache, con. Ça fait peur. C'est un caillou. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va surtout? Je pense qu'on va devoir partir. Enfin, trouver refuge. Parce que là... Là, je suis pas trop sûr de ce qu'on est en train de faire. Et on est perdu. Ah, tu vas me dire qu'on a encore perdu une flèche? Oh la vache. Ça m'énerve ça. Pour ça que ouais, on a bien fait de faire plein de têtes.
Ah, monte. Je vais être honnête, je reconnais pas l'endroit là. On va redescendre. Doucement. On va encore se péter une jambe. Ah, y a un truc en bas. Non, c'est des bois coupés. Oh, y a un bois là. Toujours ça de gagner. Oh putain, j'ai cru que c'était un ours quoi. Le gros morceau de bois, je crois que c'était un ours. Ok. Il nous faudrait les bungalows là, les mobilhomes. Ils sont où hein? Ils sont droite, gauche, je m'en rappelle plus. Je crois qu'ils sont... Là, on avance là et on va à gauche. Je crois. Oui, non, là-bas c'est le barrage. Oui, non, ça doit être bon. Je crois. Il y a une maison, je vois une maison. Oui, c'est là, c'est bon. Ok, non, non, le barrage est de ce côté-là. On a à manger sur nous. Je sais plus si on a à manger sur nous. Ok. Eh ben, j'avoue que c'est pas super bien passé. Il y a des lits là. Je vois s'il y a un lit, ok ça. C'est pas méga bien passé. Oui, bah du coup on a oui, on a les... On a ça, exact, exact. On a le... La viande d'ours. Donc on va pouvoir faire ça. On va déposer la fourrure. On a aussi la fourrure de ça, on a ça. On va finir de recycler le lapin. Après, on va dormir. De l'eau, ça va là. On va dormir et on va partir. Je sais pas si on va à la maison ou alors on part. On va visiter. On va essayer de trouver l'autre. Je sais pas. Je dirais qu'on va essayer de trouver l'autre. Ça sera embêtant de ne pas le trouver. Faut qu'on fasse des flèches. Faut qu'on fasse absolument des flèches. Alors, hop. On mange ça. 1035. Et on boit. J'ai vraiment peur qu'on tombe malade. On va dormir le plus possible. Guérison déjà. Intéressant. Intéressant. On est prêt. Pourquoi on a eu déjà guérison? C'est étrange. I could eat anything. Ouais, sinon let's go. Alors hop, ouais, elle pose la viande, c'est bien. C'est la viande de lapin, c'est pas très très grave. On a plein de viande, de toute façon. On a plein de calories. Ok, donc... là, c'est parce qu'il y a un cadavre. Elle est déjà fouillée. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok, on va repartir, donc... Ah, il fait beau, en plus. Ah, il fait froid, pardon. Il fait beau, mais il fait froid. On va repartir de ce côté-là. Maintenant, je sais plus ou moins où on est. Si on continue, on va genre droite, après on tourne à gauche, on se retrouve chez nous. Donc il n'y a pas de problème, donc on peut pas vraiment se perdre. On va un peu tracer.
On va voir si on trouve pas des corbeaux. Ouais, non, on se retrouve chez nous, je crois. Si on va là et à gauche... Ah oui, il y a la tour, là. Ah, on est loin de chez nous, quand même. Je suis un peu perdu. J'avoue, j'ai du mal à me repérer, en fait. Bon, maintenant, le but, c'est de voir si jamais on arrive à trouver le... la carcasse du loup. Mais bon, j'ai pas vraiment d'espoir de le trouver. Je vais être honnête, je pense que celui-là, il est perdu. C'est des montagnes. Là, c'est où c'est qu'on avait coupé le bois. Ouais, je pense que c'est mort. I need to find food. Je crois qu'on va rentrer, basta. Ah, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. À faire froid. Ah, je vois rien. Rien d'intéressant. Non. J'entends des corbeaux de ce côté-là, on va voir. Oh, il y a un bout de bois là, il y a un bois à couper. Il y a des lapins devant. Ah, c'est où on était, oui, je reconnais l'endroit. J'entends des corbeaux dans cette direction. Ah, on les voit. On va y aller. Ça, c'est un arbre. On va y aller, on va voir. Ah, mais j'ai envie d'aller voir là-haut. J'ai envie d'aller voir là-haut ce qu'il y a. Ah, risque d'hypothermie, merde. J'entends corbeau là-bas. S'il n'y a rien, on redescend. Ah non, je crois pas qu'il y ait... Je crois pas qu'il y ait quelque chose, non, je crois pas. Non, je pense pas. Si, si! Si, si, il y a un truc! Faut bien écouter, hein, à chaque fois. Faut bien les trouver, les corbeaux. Putain, c'est tellement chiant à monter, je suis sûr que c'est le loup qui a... Oh, vache. Qui a du... qui est mort, là. Ouais, c'est ça. Yes, yeah, c'est lui. Yes! On a trouvé, c'est bien. Voir c'est combien. 36 minutes, ça va nous faire chier. Il fait combien? Moins 11. On a ça, allez on va faire le feu. Pas mal hein. Pas mal. J'aurais dû regarder si on pouvait faire un feu. Pas mal parce que, comme j'avais dit, quand si jamais on vous abîmez un loup, enfin vous abîmez, vous attaquez un loup, vous lui faites mal, ou même un cerf et tout ça, ils vont passer
par des endroits où normalement on peut pas monter. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Et après, on a entendu les corbeaux, donc je suis allé chercher les corbeaux, on les a vus. Et vu que la montée était un peu trop pentue, en fait, on avait du mal à monter. Donc du coup, ça pouvait être que le loup. Ah, vraiment, voilà. Donc si jamais vous cherchez des cadavres et tout, ça peut vraiment vous aider, le coup de comment le... On va en mettre comme ça. Comment les animaux se comportent, en fait, quand ils sont blessés. Et le fait de... de dégoûter les loups, les corbeaux, pardon. Ok, on arrive à 13 degrés. On est à 3 degrés, ça va. Ah oui, c'est gelé, donc on peut le faire qu'avec des outils. Ah, ok. Ah, toujours une entorse à la cheville, c'est cool. Faut qu'on fasse plus de pansements. Tissu. Je les utilise trop, les pansements. Je commençais à prendre l'habitude de les utiliser, c'est pas très très bon en fait. On a encore une heure. On va se réchauffer au maximum. Non. Ah ouais, quand même, une heure pour faire cuire le bordel, quoi. Ça. Je crois pas que on va durer une heure. Le temps a l'air pas trop de notre côté. On va récupérer les boyaux. Merde! J'avais oublié que on était en train de faire du... du lapin. Va falloir partir. On va manger ça. Va falloir partir. Partir et rentrer chez nous. On va récupérer un petit bout. Yes, tempête. Ok, ciao. On voit rien du tout. On voit strictement rien. Prends-le! Merci. Faut qu'on retrouve les mobilhomes, sinon on est mort. Faut qu'on retrouve les mobilhomes là, par contre, ouais, là c'est... serre là. Ok, là c'est bon. Zone déboisée. On n'est pas passé par là. C'est un nouveau lieu qu'on vient de découvrir. Oh, c'est pas bon.
dessus, on est contre la paroi. On va se mettre à l'abri déjà. Ok, moins 14. C'est pas énorme, on n'a pas de... On peut pas faire de feu en fait. On n'a pas assez de bois. Aïe, la douleur est partie. Comme déboisé. Je suis en train de me perdre. On récupère du bois si jamais on peut en trouver pas mal pour faire un feu et se mettre à l'abri et faire un feu. Parce que là c'est vraiment pas bon. Je sais pas où je vais. Ça me dit quelque chose? On a plein de morceaux de bois. Je crois qu'on va pouvoir... Je crois qu'on va pouvoir faire un feu. Faut trouver un endroit. Ok, faut trouver un endroit là. Faut faire un feu. On va pouvoir le faire. Se mettre à l'abri. Je sais pas, je vois rien. J'ai pas d'endroit pour se mettre à l'abri. Là, on va pas pouvoir faire de feu. C'est trop en pente. Waouh, d'accord, on peut passer à travers le... Ok. Vous pouvez passer à travers l'arbre. Là, c'était un arbre fantôme. Ok, c'était un mirage. C'est pas grave, ça arrive. Essaye de voir s'il n'y a pas de... Aïe, 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 je sais... S'il n'y a pas de grotte. Ou quelque chose pour se cacher. On était pas mal sous le rocher, mais... maintenant, on l'a perdu, quoi. Là, on a des gros arbres, on pourrait faire un feu. Le truc, c'est que je voudrais bien être protégé si jamais le vent tourne. Non, c'est quoi que... Le vent a pas intérêt de tourner sinon on est mort. Ce qu'on va faire aussi c'est ça. Ça. Plus 18, c'est bon. Oh, je réchauffe. Le vent a tourné de ce côté, parfait. Ok, 13 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour augmenter notre survie? On n'a pas de récipient. On a les vêtements qui sont mouillés. On n'a pas de récipient. Donc on peut pas faire de... de l'eau. Est-ce qu'on peut avoir plus de feu? On va faire ça. À 19 degrés. Quelle galère. Pour augmenter les degrés. On ressent 9 degrés, c'est bien. Ok, réchauffement, très bien. Ça, on va le laisser pour le moment. On va le laisser là. On va attendre que ça passe. On va attendre manuellement, c'est-à-dire qu'on va rester comme ça, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes si jamais le vent tourne et qu'on est en train d'attendre genre 2h, 3h, on va complètement mourir. On peut passer le temps évidemment, enfin faire des petits trucs. Minutes, c'est beaucoup, 30 minutes. On récupère toujours de la chaleur, c'est bien. On peut aiguiser. Mais on a mal fait les choses là, parce qu'on est parti avec pas beaucoup d'équipement. On a très mal fait les choses. Je crois qu'il y a plus de... Non, s'il y a encore du vent, mais ça allait... Oui, non, il y a encore pas mal de vent. Est-ce que l'hypothermie... on pourrait manger. On a viande de loup et on a ça. On va manger ça. Histoire de pas perdre de plus de vie que ça. Ah ok, est-ce que l'hypothermique est parti? Très bien. Ça va, si jamais le vent tourne, on va boire le thé direct et on va partir, ou alors faire un feu de l'autre côté. Non, on n'a pas de bois. Est-ce qu'il y a du bois quelque part où on pourrait... Non, après ça va nous exposer. C'est bête qu'on puisse pas faire bouillir de l'eau. Enfin, faire chauffer de l'eau. Bon bah, on attend. C'est vrai que là c'est un peu dangereux. J'avoue que c'est légèrement dangereux. Ok, bah le temps s'est calmé. Il y avait des maisons juste à côté. La blague. J'y ai pensé ça en plus. J'y ai pensé, je me suis dit, on voit tellement rien que s'il faut, je me mets là. Il y a peut-être des abris, genre, quelque part. Et ben, il y avait juste des maisons juste là. Voilà. C'est bien. Ça, on garde. Bon, bah voilà.
C'est comique. Attendez, par contre, on va prendre des torches. Voilà. C'est assez comique, je trouve. Alors, est-ce qu'on était déjà venu là ou pas? Ah! En plus, non! Pas mal, pas mal. Pas mal! Putain, ils se sont fait quoi? Ils se sont entretués? C'est quoi, des pierres? Des pierres? Pas trop froid. Je sais pas exactement où on est par rapport. Faut qu'on dessine. Il va faire nuit. Il faut qu'on dorme ici ou alors. Je sais pas trop. Ah, on n'est pas loin, d'accord. Ça va. On va regarder la map, on va d'abord regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il fait froid, par contre. Ok, on peut dormir ici. Du coup, on va peut-être dormir ici. Il y a encore un mec. On va peut-être dormir ici. Je devrais faire le tour du bâtiment avant qu'il fasse nuit. Ok, ok, ok. Très bien. Ouais, on va dormir ici pour se soigner. Parce qu'elle est... On s'est pété la cheville, là, comme d'habitude. Le tissu, il nous en faut. Bon, mais c'était assez dangereux, là. Là, j'avoue que j'ai eu un peu peur. Non, peut-être pas peur. On va dire qu'on était un peu stressé. Voilà, on était un peu stressé. J'ai tellement besoin de tissu que j'ai envie de faire ça. À chaque fois, je dis ne pas le faire, ne pas utiliser le couteau pour récupérer des tissus. Mais on a tellement peu. Putain, ça prend 2%. Ouais, quand même. On va peut-être pas le faire, là. Ouais. Donc, par contre, c'est l'eau. On en a plus trop. On en a plus trop. On a toujours le risque de parasites. Ça, c'est du lapin. Ça, c'est du lapin. On va manger. Faudrait qu'on dorme. On va dormir longtemps. Et du coup, on va se réveiller la nuit. Ça, c'est emmerdant encore. Mais on va être un peu obligé. Est-ce qu'on a une lampe? On n'a pas de source de lumière. On n'a pas de source de lumière à part les torches. On a ça. Alors, la carte va un peu... Nous, on est là. On est là, donc il faudrait passer par là et aller à la cabane, au moins. La cabane du trappeur, le loup, il est là. C'est la tour de guet. Faudrait qu'on fasse ça. Qu'on soit tranquille, au moins. On fasse ligne droite, on passe par le lac et on retourne à la cabane du trappeur. Yeah, carcasse expert. Okay, je sais qu'elle a soif. Carcasse expert niveau 3.
Niveau 4, pardon. Délai de collection des viandes de moins 30%. Collecte de viande, pardon. Vous pouvez collecter 75% des carcasses gelées à la main. Et les peaux et boyaux au moins 20%. C'est très très bien. On commence à être d'un bon niveau. On va manger ça. Par contre, l'eau me fait un peu peur. On a encore ça, ça va. Ah, on dort le plus possible, on récupère de la vie. Et on se guérit. Ok, faut se casser d'ici. Ok, il va faire jour bientôt, donc ça va. Je vois rien, je sais pas si on a tout pris, non. Je pense qu'il n'y a plus rien. Ah. Oreiller. Je pense qu'on a tout. Je pense qu'on a tout. Ok, la porte. Ok. Alors attendez, pour pas qu'on se loupe, il y a quoi? Là, il y a le cadavre gelé, oui, mais bon, c'est de quel côté de la maison? Jeune érable vert. Ah, il faut trouver ça, jeune érable vert. Et après, t'as la branche de cèdre, ok. Du cèdre. Et nous, on doit aller du côté du cèdre. Un peu sur la droite, du côté du cèdre. Ok, il fait super froid. Jeune érable à couper. Je vois pas de... Je vois pas de jeune érable. C'est pas méga grave. Ok, ça c'est les grosses branches. Donc ça doit être par là. Merde, à gauche. Ok, on est sur le lac. Vite, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Est-ce qu'on est tranquille ou pas? Ok, on a l'air d'être tranquille. Je me concentre en fait pour voir si... C'est quelque chose qui peut nous attraper, mais ça va. Ok, on va attendre qu'il parte. On va le faire venir. Voilà. Pas de ce côté, c'est le côté où on doit aller, espèce de connard. Oh, attendez. C'est le boyau, le lapin. Waouh, pas mal. Ok, il va sur le lapin. On pourrait lui mettre une flèche dans la tête. Il est pas mort. Fou de ma gueule. Ah, c'est reparti encore une fois. Oh mon dieu. Celui-là, on avait récolté la peau. J'en ai marre. J'en ai marre. On perd tout le temps nos flèches. Bon, par contre, faut rentrer là. Je sais pas où on est. Elle est où la cabane du trappeur là? Ça me rend fou. Ah, elle est pas au-dessus de cette colline, c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bon. On va aller chercher le cadavre du loup après. Faut qu'on fasse de l'eau. J'aurais pas dû tirer. Enfin, je dis ça, mais bon. Si j'avais tiré que le truc meurt en une flèche, j'aurais dit « Ah putain, j'ai bien fait de tirer », donc bon, c'est toujours la même chose. Ah, on a récupéré énormément de plumes. Énormément de plumes. On va faire du feu. Du coup, bon, là, on est retourné à un endroit sûr, à un lieu sûr. C'est ce que je voulais parce que là, on commence à vraiment à jouer avec le feu. Tac, 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 tac. Ça, 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 ça. Putain. Oh là, les pointes de flèche, on peut même faire des flèches si on veut. On a ça, on va les déposer. On va les déposer à l'extérieur. Ouais, il nous faut de l'eau parce que sinon on va pas tenir. Voilà, très bien. Je crois qu'on avait pris plein de morceaux de bois là. Je vois rien par contre à l'intérieur. Voilà. Je crois qu'il y en avait plus. Oui, il y en avait plein. Donc on va faire ça. On a des torches encore. Il faut vraiment qu'on récupère des allumettes qu'on rentre. Faut vraiment le faire. Parce que sinon... sinon on va commencer à taper dans le fire steel. Fire steel, au final, en survie, en intrus, je vais être honnête, je l'ai jamais utilisé. Parce que à chaque fois, je fais attention à mes allumettes et tout. Je me retrouve jamais sans allumettes, par exemple. Je me suis jamais retrouvé à court d'allumettes en fait dans le jeu. Voilà, très bien. De l'eau, 2 heures. Conserve. On n'avait pas un autre fait-tout ici? Non, on n'en a qu'un. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. 17 minutes, ça va. On va faire le reste des lapins. On va le faire à la main. Bon bah ça se passe bien, c'est juste que là j'avoue qu'on joue un peu hardcore. Là on fait pas... C'est pas qu'on fait pas attention, mais... On va dire qu'on tente des choses et... on est en pleine chasse. On se balade énormément. C'est dangereux. Honnêtement, c'est super dangereux de faire ça. Mais ça paye. Ça paye parce que vous avez vu le nombre de plumes qu'on a récupérées, le nombre de peaux, le nombre de choses. C'est... Voilà, quoi. Donc bon. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà, très bien. Ça. Attends, nos eaux non potables. Thé. Ok, on n'a plus d'eau. Dans 15 minutes, c'est fait. On a encore une heure. Il faut un peu plus de feu. Ça fait bien. Je suis en train de me dire, peut-être qu'on pourrait faire une flèche. C'est combien pour faire la flèche? Flèche simple, qu'est-ce qui manque? Ah, on n'a pas les fûts. Attends, on avait posé un... Ça, c'est pour faire un fût, ça, non? Yes, fût de flèche. Ok, 39 minutes, ça marche.
Hop. Hop là. Ah bah au final ça tombe bien. Ça tombe bien d'avoir ramené ce morceau de bois qui était pas fait. Voilà. Eau potable. Déjà eau potable? Ah oui, c'est parce que c'est que 50, d'accord. Pour faire la flèche, c'est combien? C'est 1h30, je crois. Une heure et demie. On va faire ça. On va monter ça à 2h. Ah, très bien. Là, du coup, on va rien faire parce que... Parce que tout va brûler en fait. Donc on va faire juste ça. Fabriquer une flèche au moins. Voilà, bien. Une bouille dans 12 minutes. On va faire des... Oh non. Oh, on a du mauvais temps. On a du mauvais temps, on va être bloqué ici pendant un moment. Enfin, on peut survivre, c'est pas le problème, mais c'est embêtant, quoi. Il n'y a aucun tissu à récupérer, la chaise on peut pas la détruire. Le banc on pourrait le casser mais c'est pas vraiment utile. La table on récupère deux tissus mais bon, j'ai pas vraiment envie de détruire la table. On va faire ça. Ça nous a aidé hein, le fait de chauffer, vous avez vu, de faire chauffer à côté du feu. Parce que ça nous donne un boost en fait en chaleur. Bon déjà ça nous donne le buff. Mais ça aussi réchauffe en fait. Ça donne un cran de... Un bon cran pour être réchauffé. 3 minutes. Je crois qu'on avait des choses à faire. Bon, par contre le temps il est pourri, ça c'est un peu emmerdant, j'aurais bien voulu aller... Bah j'ai rien dit, ça se calme j'ai l'impression. Je voudrais bien aller récupérer le loup. Je voudrais bien aller trouver le loup. De balancer toute notre eau dans des réserves de thé, de tisane, mais c'est utile. Vous avez vu ce que... C'est vrai que si on avait eu que de l'eau, on n'aurait pas pu se réchauffer en fait aussi simplement. Donc c'est vrai que oui, comme j'ai dit à chaque fois, si vous avez des tisanes, faites-les et gardez-les sur vous. Gardez-en quelques-unes parce que vous pouvez les utiliser comme médicaments, évidemment, mais aussi les réchauffer. Du coup, ça... ça peut sauver la vie. Ça peut complètement sauver la vie. Et puis c'est bien, ça fait augmenter la cuisine aussi. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Pansement, fagotin. Fagotin avec ça. Ah, le temps a l'air bien pourri. 34 minutes. C'est heureux qu'on a une bonne réserve de bois, mais on va l'épuiser, je crois. Les torches, elles sont dans quel état? 37%, on va les garder. On pourrait faire encore une flèche, il y a ça à faire cuire aussi. Ah, on a 20 plumes, ça tue.
Voilà, là on a plein de trucs, c'est bien. On avait récupéré des vêtements en plus, je crois. Ouais, ça. Et un t-shirt. Le t-shirt, on va le déchirer. Ça fait un tissu. Ça va, c'est un peu stressant, mais... J'avoue que tout ça, c'est un peu stressant. Il fait bientôt nuit. On a encore 3 litres d'eau et on a plein de thé, de tisane. Par contre, quand on va rentrer et tout ça, on va tout prendre, ça va... Ça va peser une tonne. On va cuire la viande. Ah oui, non, on peut pas la faire cuire là-dedans. Bah ok, ça a l'air de se calmer. Minutes. On a encore une tisane à faire. On a encore 3 litres, on est à 23 kilos, ça va, elle est pas encore extrêmement fatiguée. On a rien à déposer en plus. Genre le juste histoire de... Non. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une flèche. On n'a qu'à faire une flèche. Et après on sort. La eau potable, très bon. Voilà. Yes, c'est bon. Il fait encore jour. Elle n'est pas encore extrêmement fatiguée, je dis qu'on on aille voir un peu comment ça se passe dehors. Ah oh, par contre, l'arc, faut faire attention. Il est à 34%. Oh ouais, il va falloir qu'on crée un autre arc. Il va falloir vraiment qu'on crée un autre arc. Dis-moi qu'il ne fait pas froid. Ouais, il fait froid quand même. Bon, on va tenter le coup de trouver le loup. Peut-être que comme la dernière fois là avec l'autre là, on l'avait trouvé. On va faire exactement la même chose. On sait qu'il est allé sur le côté un peu gauche là. On va voir si on le trouve pas. C'est pas grave, on rentre. On va pas trop s'éloigner. On va pas trop tenter non plus. Si on le trouve pas, on le trouve pas. Ça m'embête un peu, mais... On va dire qu'on n'est pas dans notre zone de confort, là. Là, on n'est pas du tout dans notre zone de confort. Là, tout devient très dangereux, en fait, ce qu'on est en train de faire. C'est un cerf ou un élan? C'est un cerf, ça va être... Là c'est le bois qu'on a coupé. On a trouvé pas mal de bois. Hein. Les fûts de flèches, on va en avoir une cinquantaine hein, en tout, je crois. Et si... ça serait énorme, c'est que le fût de flèche, mais ça serait débile. Hein, c'est de gagner de l'expérience en faisant des fûts de flèches. Bon, on va un peu accélérer le pas. Ah, ça y est, il fait un peu moins froid. Ah, ça va, c'est cool. Bon, on a peut-être pas besoin de trop accélérer le pas. J'ai rien dit, il fait froid. C'est parce qu'on était sûrement protégé du vent. Mais oui, non, mais franchement, c'est bien. Là, on peut faire au moins 2-3 arcs, je pense. Je me rappelle plus exactement des morceaux de bois qu'on a trouvé.
de quel morceau de bois le nom. Mais je pense qu'on a trouvé pour les flèches et on a trouvé pour... Eh merde, connasse. Oh putain, c'est le poignet, on peut pas utiliser l'arc. Ok, là ça va être un problème. Est-ce qu'il faudrait utiliser un pansement? Bon, on est de retour là. Encore. Il y a toujours cette peau là qu'on peut récupérer, mais on n'arrive jamais parce qu'on est toujours embêté par quelque chose. La peau de la carcasse. C'est vraiment une catastrophe ça. Non, c'est bon, on se casse. Ah, me dis pas que le temps se lève. Le... Je me rappelle plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé là-bas, non? Je crois. Genre là. Je me rappelle qu'il a monté une grande colline. Je crois que c'était là. Ça, il fait pas trop froid. C'est quoi ça là-bas? Les maisons? Ah ouais, c'est les maisons en bas. Oui, on peut aller là aussi pour se reposer. Il pourrait être là-haut. Embêtant ça. Par contre, on n'a pas à manger sur nous, on est d'accord. Si on a ça encore. Ouais, non, mais il n'y a pas beaucoup de calories. Là. On va pas pouvoir passer une nuit. Rien du tout. Aucun corbeau, aucun boy. Rien du tout. On est allé là? Oui, si, c'est la maison avec le... Derrière, il y a la toilette. Là. Ouais. Allez, on rentre. Bon, ben... Rip la flèche. Rip la flèche. Je pense que celle-là, on la trouvera pas pour du bon. On va regarder un peu ce côté-là. J'entends aucun corbeau, rien du tout. Après, je pourrais peut-être un peu attendre. Genre une autre journée. Parce que les corbeaux ne viennent pas tout le temps à 100%. Ils ont une chance quand même de venir, mais ils viennent pas tout le temps. Je vois rien. Non, on se casse, allez. Non. Je dis qu'on passe la nuit dans la cabane. Et ça dépend du... Sincère. Ça dépend du temps et on peut peut-être retenter de trouver le loup, mais je... Honnêtement, je crois que j'ai eu assez d'aventures et j'aimerais juste dormir et repartir vers le lac mystère. Honnêtement, hein, vu qu'on a plein de choses à trimballer, on a toutes les peaux, on a les boyaux, les bois qu'on a trouvés, on a plein de trucs. Et je voudrais faire un deuxième arc aussi, parce que l'arc va, ça prend du temps pour le faire. Donc je voudrais déjà le créer, comme ça on n'est pas trop pressé par...
Enfin, par le temps. Enfin, si jamais on tombe à court. Si jamais il casse le premier, bah ouais, on est mort. Enfin, il va falloir partir. Enfin, partir. Je veux dire que voilà, on sera pas prêt. Il va falloir le créer le deuxième en catastrophe et tout ça. On a quoi? On a 4 flèches de réserve. C'est pas énorme, hein, ça m'embête de l'avoir perdu l'autre. Ça m'embête un peu. On la retrouvera peut-être un jour. On devrait être bientôt niveau 3. Hein. Je pense. En arc. En archerie, parce que honnêtement, on n'arrête pas de tirer sur tout ce qui sur tout ce qui bouge. On tire sur tout ce qui bouge, honnêtement. Je regarde s'il n'y a pas des lapins encore. Mais j'avoue que on tire sur pas mal de choses. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on combat quoi. Donc à chaque fois, on monte de niveau facilement. 800. On va prendre ça. Parce que j'ai pas trop de vie, j'ai pas trop envie de tenter les viandes de carnivore. Ok, on a encore ça, on a de l'eau. Douleur, risque d'hypothermie, qu'est-ce qu'on voulait faire? Une autre flèche, c'est ça? Il reste quoi? Oh, il reste encore quelques heures. Je sais pas si on a assez pour une flèche. Je crois, parce qu'on en a fait que deux. Parfait. Voilà. Alors, on est à quel niveau, du coup, maintenant? Tir à l'arc. Eh, presque 3. Presque 3. Allumage de feu, on va passer à 2, c'est bien. La cuisine, bientôt à 4. Ça va, c'est cool, ça avance bien. C'est pas mal. Là, on commence à vraiment être un bon survivant. Tout devient assez facile, on va dire. Mais je crois que la prochaine fois, là, on va commencer à faire les... attendez, on va déposer tous les bois qu'on a. Ça fera notre réserve ici. On n'a pas grand-chose. Ah, on pourrait lire aussi. Ouais, ça, on pourra le faire aussi. On pourrait monter de niveau comme ça. J'ai bien envie de faire ça. J'ai bien envie de faire ça. Bon, il va faire nuit, donc on va pas pouvoir le faire. Mais oui, non, oui, le livre, il va peut-être être utile. Celui-là, il va peut-être être utile. Pour une fois, on va peut-être le lire. Il va falloir qu'on prenne des calories en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, ça va être la fin de cet épisode. On a encore 14 flèches. Chaque fois c'est 3, donc on va pouvoir faire quelques flèches en plus. On a encore 14 plumes, pardon. On va pouvoir faire quelques flèches en plus quand on rentre. Et je pense que la prochaine fois, on va arrêter un peu les... on va un peu arrêter de se balader. Et on va faire des vêtements. Donc ça va être... le prochain, ça va être le pantalon. Je crois qu'on a assez de fourrure. Il en faut 3, je crois qu'on en a 3. On a le loup, je crois aussi qu'en tout, on en a 2 à la maison et 2 ici, je crois bien. Donc on va pouvoir faire ça aussi. 50 heures. Putain, 30, putain la vache, quoi, ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps. Et cerise sur le gâteau, on a aussi l'ours, on a aussi 2 peaux d'ours. Donc on va pouvoir faire ça aussi. C'est possible que je coupe ces parties là parce que c'est vrai que ça va être long. En fait, ça va être plusieurs jours de craft, complètement de craft sans vraiment sortir. Par contre, ça c'est un peu abusé parce que j'ai jamais fait le manteau d'ours. 20% en moins de sprint. Donc on rajoute ça avec 5 là. Après celui du loose 15 là. On va pas pouvoir sprinter longtemps. Hein. Bon, par contre, on va être résistant hein, si jamais on se fait attaquer. On va être résistant à la flotte aussi. Je vais être honnête. J'avais parlé du fait que ça devenait de plus en plus dur et tout ça.
Mais on est à peine, on est au premier mois et on va déjà avoir les meilleurs manteaux qui existent en fait, les meilleures choses qui existent. Donc, yeah, bingo quoi, c'est vachement bien. C'est vachement bien. On va, ça devrait être assez tranquille après. Ah, il faut qu'on récupère le sac, il faut qu'on récupère un élan. Qu'on prenne un élan et qu'on récupère la peau de l'élan. Ça serait notre objectif. Ça va être un objectif qu'il faut faire, par contre. Ça, c'est une chose qu'il faut faire. C'est pour ça que je veux augmenter aussi notre archerie avec le livre. En tout cas, ce sera tout pour cet épisode. Bonne nuit.